Sommes de retour. On est à Malice. Mali. C'est Athènes qui contrôle le Mali. La dernière fois, on avait parlé de. Parlé de la guerre, la fin de. Oui, de. Enfin, les escarmouches. Le combat aux Thermopyles. je crois que dans le jeu. Ah, tiens, on peut sauter là. Ok, c'est pas très profond, mais ça va. Ça nous permet de pas mourir. Je pense pas que les Athéniens et les. Thermopyles. On dit qu'on ne peut pas venir ici sans avoir du sang sur les orteils. Les Spartiates et les Athéniens, ils se mettaient pas sur la gueule comme ça, je crois pas. Hein. Dans le jeu, il y a ça, il y a ce combat en fait. Infini entre les deux camps. Bon, c'est pas, c'est bien, hein, ça permet de faire des batailles et tout, mais des batailles rangées. Mais je crois pas qu'en vrai ça soit passé en fait ça, cette partie-là. Bon, enfin après le jeu bien sûr change, hein, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Mais tout ça pour dire ça. En fermant les yeux, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre avant la mort de chacun de ces courageux Spartiates. Leurs voix se sont tues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors pourquoi, Hérodote? La bataille des Thermopyles résonne encore dans nos cœurs, mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends-moi ta lance. Ma lance? Pourquoi? Pour vérifier quelque chose. Ah, elle est magique. Non? Merde, elle est magique en plus. Et ouais, ils se sont fait prendre en tenaille avec. Oh! Ah, on le voit et tout. Ah, c'est sympa ça, de voir Xerxès. C'est peut-être un soldat en fait, c'est peut-être seulement un soldat alors. Ou alors qu'ils ont changé complètement l'histoire. Mais... Hérodote. Je vais bien. Je vais bien. Les récits disent vrai. C'est bien la lance de Léonidas. Oui. La lame du héros. Tu sais,
savait que la lance réagirait ainsi. Pourquoi y a-t-il que Sparte ce jour-là? Pourquoi n'y avait-il que Sparte ce jour-là? Quoi? Il n'y avait pas que Sparte normalement. Bah, il a été tué. Qu'est-ce qui est arrivé au traître? Bon, ça c'est peut-être intéressant ça. Qu'est-il arrivé à Ephialtes, le traître? Xerxès l'a récompensé. Mais la traîtrise appelle la traîtrise. Sa tête a été mise à prix et il est mort comme il avait vécu. En lâche. C'est lui qui a donné à Xerxès l'information pour passer dans la petite grotte. Qu'est-il arrivé à Léonidas après la bataille? Xerxès était renommé pour sa clémence envers ceux qui avaient affronté vaillamment les Perses. Mais Léonidas l'avait rendu si furieux qu'il ordonna qu'on lui tranche la tête et qu'on l'empale. Ça, c'est vrai, ça. Il s'ensuivit un combat sanglant. Et sa dépouille fut reprise par les Spartiates et inhumée ici. Mais aujourd'hui, il repose chez lui. À Sparte. Ça, c'est vrai. Les Perses faisaient pas ça. De couper les têtes et empaler. Mais Xerxès est devenu tellement fou de rage pendant 3 jours, voir son armée se faire décimer par 300 personnes. Et après, il a envoyé même les immortels, l'élite des Perses. Et apparemment, il avait des frères, je crois, à l'intérieur, dans cette armée-là. Et ils sont morts aussi, du coup. Donc le mec il a pété un câble quoi. Donc ouais, il est allé récupérer, il a ordonné de récupérer le cadavre de Léonidas, couper la tête et le foutre sur un piquet. La classe. Où étaient les alliés de Sparte? Les Spartiates n'étaient pas les seuls Grecs à s'opposer aux hordes. À la mer. Xerxès. Beaucoup d'hommes étaient venus en armes, prêts à combattre aux côtés de Léonidas et de ses 300. Mais quand le grand roi a vu la peur dans leurs regards, il les a renvoyés. Ça ressemble plus à de la folie qu'à du courage. La Pythie avait prédit que Sparte perdrait sa liberté ou son roi face aux Perses. Léonidas a fait son choix. Et ouais, toujours avec leurs croyances, hein, même les Spartiates, hein, étaient un peu cons par rapport à ça. Enfin, trop croyants, quoi. Enfin, comme... Depuis la nuit des temps, comme ça, de toute façon. Ça changera jamais. Tu savais ce qui se produirait? Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence, jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros. De mystérieuses formes taillées dans la pierre. Différentes de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes? Au cours de mes voyages... J'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Ta lance et cet endroit sont liés. Andros? Tu as parlé d'un peuple qui était là avant. C'était qui? Qui étaient ces gens? Ce n'étaient pas des dieux, mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes et leur avait donné le feu. Mais Zeus l'a reproché à Prométhée. Oui, mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais foie. J'ai rien compris. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta... Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. Je te retrouve à mon bateau. Sympa. Ah, vu qu'il a touché la lance, est-ce qu'on va pouvoir augmenter nos habilités ou je sais pas quoi? Bienvenue à bord de l'Adrestia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous? Brièvement seulement. J'ai une affaire à régler. Il est où? Hérodote m'aide à retrouver ma mère. What? Rechercher l'aide des dieux a placé Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mien.
Leur dessein dépasse notre compréhension, et nous n'avons d'autre choix que les suivre. Tu as peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme Elpenor ? Il fait... faisait... partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. C'est impossible de contrôler l'oracle ! Apollon ne le tolérerait pas. Je pense qu'ils s'en prendront aussi... Vestiges perses, du coup. D'accord. Par Hermès, l'office de l'oracle corrompu est maintenant vécu. Est-ce que l'on sait qui est à sa tête ? Ça pourrait être mon frère. Ton frère ? Par Zeus, tu as une vie compliquée. Tu n'as pas idée. Pas d'inquiétude. Ce culte de Cosmos a désormais trois ennemis, dont une qui se bat comme Athéna et manie la foudre comme Zeus. Nous allons faire fondre sur ces malfaisants la colère des dieux. Il est toujours aussi optimiste. Toujours. C'est ce que j'aime chez lui. Poséidon, mène-nous à Athènes. Il faut d'abord aller à Andros. Alors va pour Andros. Si nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon navire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, il est vieux, et son état laisse à désirer. Tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer ? Poséidon, où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut ? Mon père m'a appris que la mer était cupide, et nous allons devoir l'être tout autant. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les aborder et se servir. Alors allons-y ! Partons à la chasse aux pirates ! Maintenant que nous avons ce qu'il nous faut, nous pouvons améliorer la coque du navire. Loué soit Poséidon. Il est en mesure d'éperonner maintenant, comme un point dans la mer. Je crois que le jeu est un peu trop lent, honnêtement, pour tout ce qu'on a à faire. En fait, le jeu vous laisse faire pas mal de choses en avance. Enfin, vous pouvez faire quasiment toutes les choses que le jeu propose. Mais le, entre parenthèses, tutoriel, en fait, arrive extrêmement loin, extrêmement tard, j'ai envie de dire. Donc du coup, bah ouais, on n'arrête pas de se taper des quêtes qu'on finit directement, quoi. Ça fait de l'expérience gratuite, hein, mais bon, c'est un peu con, quoi. Parce que des fois, c'est un peu tutoriel où ils veulent nous apprendre comment jouer. En gros, il faudrait complètement ignorer tout le jeu, toutes les quêtes secondaires, en fait. Et il faudrait faire que du principal pour le jeu. En gros, c'est ça. Bon, par contre, j'avais vu que... Voilà, j'avais vu ça. Zoïsme. Ce qu'on sait de Zoïsme, la folle révèle de légende et que ça... de légende que se racontaient les paysans et les ivrognes de Phokis. Selon l'un de ses récits, elle ligotait à des arbres les prêtres qui s'opposaient à elle et laissait ses loups les dévorer. Ah, elle a des loups. Selon un autre, elle logeait dans des tanières d'ours, n'en sortant que pour enlever des pèlerins venus voir l'oracle et en faire son dîner. Il s'agissait en réalité de sacrifices à Cosmos, dont l'appétit de chair était insatiable. Qu'est-ce qu'on fait ? On va la voir ? Mais c'est pas extrêmement loin. Hein. On peut aller la voir. Ça va nous permettre d'avoir un casque en or. Ça sert un peu à rien cette attaque, honnêtement. Je vois pas pourquoi l'aigle il aide en fait.
Je comprends pas pourquoi. On s'en fout de l'aide de l'aigle. Bon, on se concentre sur notre but. Hein. On s'arrête seulement si on a un ours qui traîne ou un loup qu'on récupère. Ah bah voilà. Les filles d'Artémis sont puissantes par ici. Restons sur nos gardes. Ah, oh, c'est un endroit de chasse de... C'est peut-être un endroit de chasse de monstres légendaires. Allez. Enfin, de bestioles légendaires. On verra ça après. D'abord, ça... Quand tu veux. Hein. Ah, merci. Donc on va combattre une folle en fait, qui bouffe les gens. Enfin, qui fait des sacrifices et tout ça, elle aurait des animaux. Ours féroce. D'accord, c'est vraiment une folle en fait. Et elle est accompagnée d'un ours évidemment. T'inquiète, moi aussi. Alors, on peut... prendre du feu, mais je crois que du... faut un peu faire l'économie de bois, donc... Ah! C'est un ours en or. On peut pas l'apprivoiser, celui-là. Vas-y. Yes! On a un super ours. Yes, on a un super ours. Eh, la folle. Du coup,
qu'on peut pas la prendre. Oh, doucement. On peut pas la prendre sur notre bateau. Hein. Okay, très bien. Attends, il y a ça qui me gêne. Oh la pute, sa mère. Tu peux le finir ou pas? Ou merde? Ok, d'accord, je m'en occupe. Je vais tous vous débusquer. Il va être content, les mecs du cosmos. Il va être très très content. Donc elle appartenait, elle était là elle. Donc du coup on a adorateur de la lignée. Oh mon dieu. D'accord. Ah alors, 100% de santé rétablie en cas de mort, c'est ouf ça. On a les équipements d'immortel. Ça c'est cool. Sympa. Alors 6% de critique quand santé faible, c'est un peu nul. Par contre 11% de dégâts de guerrier, c'est bien ça. Et après il y a beaucoup d'armure. Au final de perdre la santé c'est un peu relou quand même. Pas regarder si on avait débloqué. Non, on a rien débloqué du tout. Niveau lance 1. Qu'est-ce que c'est ça? La célèbre lance employée par Léonidas lors de la bataille des Thermopyles. Elle recèle une énergie inconnue qui amplifie l'instinct de guerrier. Quoi? D'accord, super. Faut être guerrier, quoi. L'instinct de guerrier. Ça veut dire quoi, l'instinct de guerrier? Est-ce qu'on a un truc qui s'appelle l'instinct de guerrier ou pas du tout? Ou c'est juste pour dire que... Elle fait plus mal. Ouais non, ça fait plus mal. Par contre, on peut rien augmenter. On verra ça au prochain niveau. J'avoue que c'est pas très... Pas quoi que... C'est pas si mal d'avoir ça en casque. Ce que j'allais dire, c'est pas très stylé, mais... C'est pas si mal. Bon, ça c'est fait. On peut visiter ça, du coup, s'il y a les... S'il y a un animal légendaire à tuer. Après ça dépend de quel. Hein. Lamia. Il est où notre... Il est où notre ours? Je me suis fait chier à récupérer l'ours pour rien, c'est ça? Allez. Putain de merde. Ouais, on a perdu l'ours. Allez.
Ah. Ouais, ça c'est à Talente. Arrête. Fais voir un peu. C'est gigantesque. Putain, tu veux vraiment qu'on attaque ça? Moi je dis pas non, mais. ouais, allez, on va passer une demi-heure quoi. Je sens qu'on va passer une demi-heure là. Peut-être une connerie de faire ça. Ça plus tard. C'est qu'elle serait toute seule, mais. Je voudrais voir si on arrive à les tuer en fait. Ma réponse est si. J'ai vu quelque chose. Je pense pas, non. Merde. Tout est calme ici. Bouge pas. Ça va, on peut se les faire. Ah, je peux pas t'attraper, si. Bon.
Tout va bien. J'étais discret, je trouve. Je crois que j'étais très discret. Cassez-vous les animaux là. On est bon. Ah ben putain. Ah là là. Sérieux ? Ah, vous voulez faire jouer à ça ? Moi, je joue à ça. Hein. Je les ai tous tués. On vous apprendra. Tant que j'ai pas le loup qui me court dans le dos. Ça va, on est invincible quand on fait une esquive, même si la flèche nous touche visuellement, on est invincible, je crois bien. Que là ça fait deux fois là. Putain, tout ce qu'on a tué d'un coup quoi, c'est ouf. Ah du coup si on a fait le ménage je veux bien revenir moi. Cet endroit sera en alerte. Ah, on alerte avec ce qui reste, quoi. Pas mal ce système. Copine, ouais, une copine.
Et les deux peuvent mourir. Eh ben. Eh ben, leur camp le massacre. Hein. J'ai vu qu'il y en avait une qui se baladait et qu'on n'a pas marqué. En fait, c'est une faut être honnête, c'est une explosion silencieuse, hein, on est d'accord. On est d'accord que c'est une explosion silencieuse. Chier en fait. Ils sont toutes par deux là. Les relous. Oh, bonjour. Merde. Ok, c'est reparti. Par contre, faire gaffe qu'il y en a beaucoup des archers quand même. Oh la vache.
C'est bon. Elle a l'air d'être ok. Elle était quand même activée. Oh. Eh bien, ça dure un petit moment, mais après c'était pas super dur. Bon, comme d'habitude, elles font mal, hein, mais. Mais on a décimé le camp. Ça y est. Bah, c'était pas vraiment digne de toi, j'ai envie de dire. Pas pour être méchant, hein, mais. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Perdre notre temps, c'est pas vraiment le fun. Du coup, Lamia, est-ce que on a autre chose à faire? Loup féroce, tuer l'animal. Ah oui, on n'a pas fini. Non, Lamia, c'est bon, c'est juste pour dire que c'est une ville, quoi. Enfin, une. Ouais. Une. Un lieu. Bon, par contre, oui, on n'a pas tué, on n'a pas fini l'animal. On va voir si ça doit être un loup alpha. On va voir si on peut pas le capturer. Alors, ah, il est devant. Nickel. On a récupéré tellement de flèches chez les indigènes là. Je sais pas ce que c'est. J'étais au max de flèches. Regarde, quoi, 24, 25, 15, 16, 3. Parfait. Eh, ramène-toi le machin. Ah, putain, il y en a partout. Bien joué. Ah, violet. Ah,
L'orateur du dieu de la guerre. Ah ouais, vous aimez le dieu de la guerre ? Je vais vous en donner, moi. Tu es mon chien. Oh, wow, 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 wow. Explosive. Ah bah on est là. Je suis tenté de me mettre en guerrier. Hein. Tu m'as rendu la vie. Ouais, je ne pourrai jamais assez te remercier. Merci. Oh la vache quoi, l'arbre. Il y a plein de gens dedans. De cinglé quoi. Voler les cadavres aussi. Pas durer très longtemps notre loup encore. On peut faire ça. Les Athéniens. Oula, chaque fois qu'elle fait ça, c'est automatique, mais ça me fait un peu peur à chaque fois. Pas besoin. Ah, attaque enchaînée, en fait, j'ai pas besoin de...
de maintenir le ça là. La touche des habilités. Ça c'est cool. N'a rien vu. Mon féroce ami. Je peux pas passer par là. Ouh, eh ben. On a une quête là, je sais pas ce que c'est. C'était quoi qui nous avait sauté dessus la dernière fois? C'était un léopard, je crois. Genre le truc qui nous bouffait le dos, là, saloperie. Peut-être que le lion, il a des choses spéciales aussi. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ah, Mystios. Le reste de ma vie sera courte et sombre. Mon maître a décidé de m'envoyer dans les mines. Là, je te plains. Je ne tiendrai pas longtemps là-bas. Mon maître me croit plus fort que je ne le suis. S'il lui arrivait quelque chose, je pourrais m'enfuir ou lui acheter ma liberté si j'avais un peu d'argent. Donc tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que tu donneras sera utile. Ouais, ouais. Tiens, prends. Ça c'est... expérience facile. 4860 points d'expérience pour 50. Voilà, 23. Super. J'avoue que c'est assez violent. C'est assez violent l'expérience des fois. Le truc qu'on gagne, quoi. Là, on a plein de trucs à casser. Ah, la prochaine fois que... on rencontre un forgeron, là, vous allez me maudire. On va passer au moins 20 minutes à faire tout ça. On augmente guerrier, plus on récupère de la vie ou pas, ou c'est juste des dégâts. Je vais voir. Est-ce qu'il y a un truc qui fait guerrier? Enfin, ouais. Non, c'est juste les dégâts guerrier en fait, c'est pas la santé. Ok. Et à un moment, j'ai pensé que c'était la santé. Bon, ça, j'ai toujours pas trop compris. Alors peut-être qu'on va pouvoir l'augmenter en niveau 1 sur 6, apparemment. Mais je sais pas comment on monte ça. Alors, pour utiliser cette aptitude effectuée là, tire une flèche fantôme pour en transpercer bouclier ennemi et même mur. C'est pas mal. Bon, par contre, le reste, on peut toujours pas l'augmenter. Progresser dans l'histoire, ça marche. Ouais, il faut augmenter la lance en fait. J'imagine. Alors là, on aurait l'invisibilité. Là, on a une rage. % dégâts supplémentaires en 10 secondes. C'est pas beaucoup 10 secondes, honnêtement. Après, j'imagine qu'on peut l'augmenter. Mais... ça, est-ce que c'est vraiment utile? Tire une flèche fantôme pour en transpercer bouclier ennemi et même mur. Est-ce que ça nous aiderait vraiment?
La flèche fantôme. Je suis pas trop sûr. Tir prédateur qui est devenu un peu léger aussi. J'en sais rien, ça, si ça serait utile ou pas, honnêtement. De toute façon, on n'est pas obligé de prendre une habilité maintenant, on peut attendre encore. Est-ce que tu aurais un bateau, mec? Il faudrait que je passe la rive. Après, je pense qu'on peut le faire à la nage, mais... je préférerais pas. Non mais sérieux, à chaque fois tu vas me dire pour plonger, c'est B. Viens, hop, on va chasser. C'est à moi. Nickel. Oula. On a qu'à se mettre là. Nous sommes arrivés. Ouais non, pour les habilités, je vois pas trop. Enfin, notre façon de jouer, encore une fois, c'est toujours ça. Hein. C'est que... campement de brigands. Pour du pur combat, on fait toujours la même chose maintenant. C'est la grosse attaque, quoi. À trois crans. Je vois pas pourquoi on ferait autre chose, comme d'habitude. Donc, pour varier... Putain, regarde-moi ça. Alors, pourquoi on tirerait pas une grosse flèche, quoi? Y a pas mieux, quoi. Ah, ils sont en train de combattre. Je dois rester caché. Ils sont en train de combattre, je sais pas quoi. Oh, vous faites chier.
Ça va, pas mal le lion. Oh, il l'a tué, putain de pute. Je pensais vraiment qu'il allait le finir, le lion. Le tigre. Ah, c'est quoi cette merde, quoi? Putain, même les animaux, ils sont nuls maintenant. Nickel. Après, si on passe genre guerrier, bof, j'en sais rien. Guerrier assassin. Puros le rouge. Tu vas me dire qu'il n'y a rien du tout dans l'eau. Ah, quoique, c'est pas la mer là, hein. Je vois pas pourquoi. Pourquoi des requins viendraient ici donc. Mon dieu, qu'est-ce que c'est profond. On remonte vite. On remonte vite, j'aime pas l'eau. C'est pas que j'aime pas l'eau, j'aime pas les grands les étendues d'eau. Thalassophobie. C'est quoi ça là-bas? C'est juste un village de pêcheurs. Juste un village de pêcheurs avec que des gens prêts à nous tuer, ça va? Non mais ils sont tous vénères ici ou quoi? Je suis sûr que ouais, si on se met en guerrier, ça peut être pas mal. Par contre, je pense que si on se met en guerrier, on va devoir vraiment baser pas mal de choses sur notre équipement. Genre mettre plus de défense, des trucs comme ça. Bon, en tout cas, moi j'ai vraiment envie de prendre ça. La flèche fantôme, honnêtement, je crois pas que ce soit vraiment utile. Par contre, j'ai bien envie de prendre ça.
Attaque très puissante, variant selon le type d'arme, ici 3 segments d'arrière entiers, dégâts accrus. Pour éviter de 10% de faire chanceler un ennemi vous attaquant. Augmente son armure de 90% et réduction des dégâts à distance 8 de 10%. À 1455 de défense. Attends, c'est quoi l'attaque? C'est RBRT, c'est pareil ou pas? RBRT. Sauf que faut pas viser quoi. Okay. Donc on a l'attaque corps à corps et on a l'attaque à distance AOE. Ça va, c'est cool. Je pense que là on va être. Ça va être drôle. Je crois que c'est les flèches de feu ça. Oh, tout ce qu'il y a. Je tire une flèche, je touche quelqu'un quoi. Ah ouais. Là, il me faudrait 3 barres là. Bouge, bouge, bouge. Ah, elles sont tenaces, les machins. Monte. Putain de merde, j'ai pas pu faire une roulade. Bon, c'est moi qui ai mal joué. J'ai fait mon tir explosif là. En fait, on l'a fait pour deux personnes. Alors qu'à un moment, elles ont toutes des barres roulées en même temps. Elles étaient au moins 6 ou 7. Quoi. Là, on aurait pu faire tout péter en même temps. Là, j'avoue que c'était un peu con de ma part. La défense en plus, c'est bien, je pense que je le ressens quand même, le niveau 2. Là. Je pense que je le ressens assez bien. Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. On va prendre de la hauteur.
Même le coup de pied, on ne fait quasiment plus. Le coup de pied spartiate. Il y a plein de choses qu'on fait quasiment plus. C'est pour ça que je suis en train de me dire on peut enlever des choses. Oh. Et les mettre dans... Sérieux ? Oh la vache. Les arcs, normalement, c'est de loin. Pas au corps à corps. Par contre, c'est pas drôle. Pas une habilité pour monter plus vite. Je crois que la musique se plaît bien au gameplay là. Merde. On retourne chez vous. Partout Tatis. Je suis sûr que c'est ce qu'elle a dit. Il faut se montrer très vigilant. Ouais. Salut. Ah putain! Je me suis bloqué avec... la pierre là. Ah, je pense que j'aimerais bien un guerrier aussi. Après, on peut faire un mix. De toute façon, on est obligé de faire des mix. Hein. Il n'y a pas assez de... Il n'y a grave pas assez d'habilité. Hein. Pour... non, il y a... enfin, il n'y a pas assez de choix pour une seule branche. Donc oui, on est obligé de faire un mix. Ouais, c'est ça que je cherche. Très bien.
Bon bah c'est cool, c'est sympa ici. Ouh, dirigeant. Par contre, les autres, elles sont revenues ou... Ou elles sont perdues, là? Je crois qu'elles me cherchent toujours. Par où elle passe? Je crois qu'elle, elle a trouvé un moyen de... d'être une sorte de fantôme. Putain, c'est intéressant comme pouvoir. Passer à travers la roche comme ça. Pas mal. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour les aptitudes? On pourrait mettre ça au troisième niveau. Parce que là, on est qu'au deuxième. On pourrait mettre ça au troisième niveau. Après, on aurait ça. Bon, niveau 1, bien sûr. On mettrait du guerrier. Je sais pas si on peut le monter au niveau 3. Je pense parce qu'on peut monter ça au niveau 3, déjà. Et c'est ce qui augmente les dégâts de chasseur. Donc, j'imagine que ça, ça augmente les dégâts... Enfin, ça fait que les dégâts de guerrier. Donc, du coup, je pense qu'on peut l'augmenter au niveau 3. Ah, il y avait un truc qui était intéressant, c'était quoi? Ah oui, c'était ça, attaque avec une frappe avec toute la puissance de la lance de Léonidas, inflige 60% de dégâts d'assassin. Ça, c'est pas mal ça. Faut qu'on devienne plus vénère en fait en corps à corps. Vu qu'on est très bon à distance. On va d'abord faire ça. Après on va voir le dirigeant. De trashy. Ça, on peut pas l'arrêter, lui. Hein. Eh, reviens. Ouais, non.
On peut pas. Là, c'était pas écrit, hein, mais bon, je me suis dit, vu que ce sont des animaux avec une vie et tout ça, genre qu'on les one-shot pas, peut-être que... Ah, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que ça dit sur lui ? Elle est prisonnière. Un ours qui a été tué. Oh ! Oh la vache. Oh, lui aussi. On pourrait l'agripper lui et le jeter quoi, mais bon, on va pas le tuer. Ouais non mais je crois que ça sert à rien là de... C'est débile ce que je suis en train de faire. Débile. J'ai tué le mec. Impossible de survivre à une chute. Tu as trouvé sa piste? Il n'y a rien par ici. On continue à chercher. Oui. Ah là là. Peut-être se les faire ici en fait. Ça va juste pas être simple, mais je sais pas. Faudrait que je teste mon habilité, voir combien de dégâts ça fait. Perdu une recrue pour le bateau, quoi.
Quel con que je suis. On va voir s'il y a des trucs à récupérer ou pas. Mais c'est nul. Bonne chance avec ça. Il y a quand même beaucoup de monde. Ah mon Dieu. Après déçu de l'attaque là au corps à corps, elle est vraiment merdique. Comparé à... attaqué par un chat. Normalement, s'ils sont... Il est dans le deuxième cran. Je crois que les gardes du corps, ils se cassent. Après, je sais qu'on n'est pas guerrier, mais... Ah,
quand même, quoi. Ouh, vous venez d'où, là? Oh mon dieu, je suis sur un autre camp. Allez mec. Oh la vache. Malaka. C'est quoi ce bruit? Merde. Oui, bah avec tout ce bordel, oui. Avec tout ce bordel. Il est bien lui ou pas? Non. Parce que je sais plus lequel. Normalement il est pingé, mais le mec qu'on doit récupérer, mais. Bon, t'es qui toi? Ah, toi on peut te prendre. C'est nous que tu cherches ? Il m'intéresse pas. Pourquoi ces bombes là? Moi je. Très bien en avoir aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Is? Oh!
la force. Bien. Rassemble tes affaires et retrouve-moi mon navire. Voilà, là c'est pas mal. Là. Théos, incendie javelot, dégâts infligés par les soldats de marine, 6% de réconciliation après le navire coulé. Ça, c'est pas mal ça. Voilà, 4. Après, c'est fini. Hein. Oui, 4 lieutenant. Alors, réconciliation après le navire coulé. Nous, on a quoi? Nous, on a. Potentiel incendiaire au début d'un conflit, je sais pas ce que c'est. Dégâts, 12% dégâts de flèche incendiaire, réclamation d'incendiaire par javelot. Dégâts d'épronage, résistance au feu, reconstruction après navire coulé, reconstruction intégrité d'un navire ennemi brisé, dégâts flèche incendiaire, javelot. Lui, il a ennemi coulé aussi, ça peut être pas mal. 45% rapide du segment potentiel incendiaire après navire ennemi brisé. Intégrité. Ouais, non, mais elles aussi, elles ont monté de niveau. Hein. Je veux pas dire. Hein. Constitution d'énergie du rameur. Oui, elles avaient pas des skills aussi élevés. Hein. Pour l'instant, on va faire ça. Bon, on doit être bien recherché là par contre. Hein. À force de faire des conneries là, comme pas possible. Tous les dégâts ou lance et bâton. Ah, on peut avoir les deux, lance et bâton. Un peu ouais, on est bien recherché, ouais, on est à 400. Bon, je pense qu'on peut aller finir le mec, hein. Perdu ses gardes du corps, je pense. Il a perdu ses gardes du corps parce que. Quoi? Oh, ils sont en train de balancer les corps! Oh, merci. Ça pète? Ça va. Ils sont tous donnés rendez-vous ici. Très bien.
d'aller jeter son copain par-dessus bord. Oh, une mignon. Bon, lui, il faut le capturer. Putain, la vie qu'il a. J'aime pas ceux qui tapent lentement. Il va me tuer ce con s'il me touche. Aujourd'hui, tu gagnes ta liberté. Viens naviguer avec mon équipage. C'est pas mal. Alors, santé de tous les lieutenants. Dégâts des points d'âge. Non, c'est qui le nouveau? Si, c'est lui. Si, c'est ça. Pas mal. Santé de tous les lieutenants, c'est-à-dire quoi? Genre quand on aborde, c'est ça? Bon, en tout cas, on va pouvoir finir le reste. Bon, ça se passe bien. Vache. Ça n'a pas fait trop mal, donc ça va. On va pouvoir bientôt les combattre en fait. On a récupéré plein de trucs de tous les côtés, putain. Oh, c'était session farm quoi, j'ai l'impression. Ah bah, je suis fatigué quoi.
Ouais, ça m'a épuisé. Ça m'a vraiment épuisé. Par contre, oui, je suis un peu déçu du dégât là, de l'attaque de mêlée. Oh, les flèches. J'imagine qu'il faudrait vraiment augmenter le guerrier à fond. Coffre trésor public. Ah, c'est bon, c'est à zéro. Waouh, magnifique. Ils font quoi là? Ah, j'ai envie de faire une pause, quoi. Alors, je vais voir un peu notre état. On est à 326, ça va, ça baisse un peu. Oh. Ouais, on peut faire le combat. On peut faire le combat. On verra ça plus tard. J'ai envie de retourner dans une ville et m'occuper de notre inventaire. Ouais, pour vraiment augmenter ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'en plus on est bloqué au premier niveau, ça qui est chiant pour le moment. Faudrait augmenter le. Faudrait avancer dans l'histoire. On pourrait mettre ça. Niveau 3. C'est à peu près tout en fait. Après, on peut toujours genre enlever les animaux, parce que c'est vrai que bon, les animaux c'est sympa, mais c'est limité. On peut mettre ça au niveau 3, ça au niveau 2, ça pourrait être sympathique déjà. Le ralentissement, enfin non, le ralentissement est pas mal, non, ça peut aider. Il y a une de ces deux attaques qui peut sauter, honnêtement. Je crois que le tir de prédateur, il peut limite sauter. Je sais pas trop. En théorie, on ferait plus de dégâts avec le tir de prédateur. Parce que c'est 430%, mais ça serait 3 fois. Alors que là, en un tir, on fait que 1000%. Ah, mais c'est une grosse AOE, quoi. Je sais pas. On va dire que ça a son utilité quand même de temps en temps. Mais ouais, il y a les bestioles, c'est limité quand même. Hein. Elle crève très vite, même un peu trop vite.
On va voir ce que c'est comme mission. Tu es loin de Sparte, espion. Tu as besoin de l'aide d'une mercenaire ? Sparte est une puissance terrestre. Nous régnons sur Terre, mais la guerre navale est différente. Ce n'est pas en te plaignant que tu gagneras. Tu as raison. Mais ces eaux grouillent d'Athéniens, de pirates et de requins. Il faut apprendre aux soldats comment se battre sur l'eau, en spartiate. Tu veux que je détruise tous les navires pirates ? Oui, ils doivent tous couler. C'est entendu, Mystios ? Ouais. Ce ne sera pas facile, mais je vais m'en occuper. Bien. Et fais vite. Puisse les moires t'aider. Sur les bateaux. 5 bateaux, putain. On verra ça plus tard. On pourrait faire ça, puis après retourner à notre bateau, tiens, en parlant de bateau. Je pensais que c'était un ours qui me suivait. Léopard féroce. Ah ! Pas broncher le machin. Ouais, d'accord, laisse tomber, pas avec ça. Oh vache. Je crois que le jeu il veut vraiment pas que je... J'enlève cette habilité en fait. Oh. Ouais. Je crois que le jeu veut absolument pas que j'enlève cette habilité de récupérer des animaux. Parce qu'à chaque fois que je commence à en parler un peu de en mal, on se tape toujours un truc alpha qu'on peut récupérer. C'est un peu abusé. Légèrement abusé quand même. Chaque fois il y a un ours qui passe, il y a un loup alpha qui passe. Donc du coup, bon bah on continue quoi. On va faire ce camp, puis après on va s'arrêter, je pense. On va tester si le léopard il est vachement bien ou pas. Archer.
quoi faire maintenant. Mettez-vous à l'abri, vite. Aide-moi. Pour les dieux. Il ne restera pas ça. Ok, il fait très mal, il bouge partout. Est-ce qu'il a beaucoup de vie par contre? Pas trop quand même. Il a pas beaucoup de vie vu qu'il s'est pris une flèche et la vu ce qu'il a perdu. Mais ouais, il bouge partout, il fait très mal, donc ça, à la limite, ça peut compenser. Ça peut être un bon animal. On va le garder. Bon, ben voilà. On a bien avancé. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et on a des trucs à faire. Qu'est-ce que je voudrais faire la prochaine fois ? On peut faire le combat, faudrait un peu avancer dans l'histoire. Il y a lui à tuer. Ouais, oh non, honnêtement, je voudrais un peu avancer dans l'histoire. Ça nous emmènerait à... L'édifice se trouve sur l'île de Andros. Andros, c'est où l'île? Andros, c'est là. Et on a la chimère là-bas. Ouais. La prochaine fois, on va peut-être finir un peu ça vite fait. Genre les derniers points qui nous manquent et tout ça. Peut-être faire le combat entre Athènes et Sparte. Et après, on se casse d'ici. On va faire un peu de bateau. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de bateau. Ça fait très longtemps. Est-ce qu'on met notre équipement à jour? Je n'en sais rien, honnêtement. Faudra voir. J'imagine que le bateau, il demande du bois partout, en fait. Ouais, non, il n'y a que du bois partout, c'est abusé. Ah non! Il n'y a que ça qui demande pas de bois. Réduction des dégâts par protection, réduction de dégâts incendiaires. Les tablettes, elles servent à quoi, juste ça? Enfin, les savoirs techniques perdus, on trouve un peu partout dans les ruines antiques. Savoir permet d'améliorer la Drestia. Ouais, donc je crois que c'est que ça. Parfait. 20% d'accumulation incendiaire pendant protection. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Mais après, tout le reste, ça demande du bois, quoi, putain. Bref, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Et c'était assez mouvementé, beaucoup de combats. Dans cet épisode. À la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous. On continuera avec Monsieur Léopard qui a l'air ok. En fait, faut trouver des alphas. Faut complètement trouver des alphas ou des gros trucs quoi. Parce que les normaux sont plus ou moins inutiles. Ils sont en deux flèches, ils se font tuer. Après, ils font des dégâts, mais bon, ils se prennent trop de dégâts en fait. Par contre, le léopard a l'air d'être super rapide.
Donc ça c'est bien. À la prochaine. Ciao ciao.